Coup de Zef sur l'info. Emmanuel Macron fait un étrange voyage à Las Vegas. Oui, en effet, ça c'est ce que je voulais vous raconter. D'accord. Voyez, mais en allumant mon téléphone ce matin, je tombe sur une alerte de France Info qui me dit « Ligue des champions, PSG chute à Barcelone 6-1 ». Faut toujours un peu dans la neutralité. Hein. France Info, c'est jamais vraiment... Les autres, ils étaient un peu catastrophiques, mais non, ça va. Il n'y a pas trois semaines, n'empêche, ils étaient champions d'Europe. C'est ça, c'est les Parisiens quand même. Hein. Tout le monde, on a gagné, on a gagné. Mais là, voilà. Bon, attention, hein, je compatis avec les familles des victimes. Mm-hmm. Hein, et aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Là, je pense que vous exagérez un peu sur l'abus de mention légale. Hein. Humour, Pascal. D'accord, bravo, d'accord, bravo, d'accord. Moi, je dis que la défaite du PSG, c'est un coup des bonnes femmes. Oui, ben, j'ai le droit, hein, j'ai le droit de dire bonne femme, c'était hier la journée de la femme, là aujourd'hui 9 mars, chacun retourne à sa place. Hein. Ça ne peut pas être le 8 mars tous les jours. Alors, vous dites donc que c'est un complot féminin. Bah oui, c'est logique, match aller, c'était le jour de la Saint-Valentin. Ils ont préféré regarder le match plutôt que leur amoureuse. À la fin, ils ont dit, t'as vu, j'ai bien fait de regarder, c'est 4-0, vrai, ah, on est déjà champion. Et là, match retour, journée de la femme. Ils ont dit, je m'en fous de la journée de la femme, il y a PSG Barça. Et elles ont répondu, ah, dans ta face, 6-1. Ce matin, il se réveille en se disant, les supporters, c'est un very bad trip. Un peu comme Emmanuel Macron à Las Vegas. Encore humour, Pascal. Oui. Un jour, vous m'emplacerez. Non, si vous parvenez à survivre, est-ce que ce que je gagne en connaissant votre train de vie, ça m'étonnerait beaucoup. Hein, train de vie qui est proche de celui d'Emmanuel Macron. Bah, la différence, c'est que vous, c'est votre pognon. Il a quand même, il a quand même dépensé 381 759 euros en une soirée à Las Vegas. Et lui, c'est pareil, il s'en fout, c'est pas son pognon. Voilà. Oui. Mais il s'en souvient plus. Las Vegas. Very bad trip. Hein. Tout ce dont il se rappelle, c'est qu'il s'est réveillé en calbut avec Bertrand Delanoë tout nu à côté de lui et Arlette Chabot en slip sur la carpette. Vous voyez, moi, quelquefois, je me plains un peu. J'ai des douleurs partout. Mes travaux n'avancent pas. J'ai pas les moyens de m'abonner à Canal. Marine Le Pen va peut-être être présidente. Mais ce matin, je me dis, dans le fond, ça va. Je suis ni supporter du PSG et je suis pas encore électeur de Macron. Donc tout va bien. Allez, faites-moi plaisir. Soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Coup de Zef sur l'info.